Chum Chum Slippity Duck. Boom! Big reveal. I'm a pickle. Flip the pickle, Morty. Wubble up a dub dub. Pickle!
всем телом ощущаешь, как содрогается. Ракета. Ça, c'est la première. Là, la deuxième victime. Et nous y voilà. C'est la fin de l'histoire. Cette fois, elle ne disparaîtra plus. C'était pas une institutrice. C'était elle. Jules, stop! Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai vue dans ses yeux. Elle a déclaré que cette femme grimpait au mur quand on est arrivé. Je vous jure que c'était elle. On va lui faire une analyse de sang. Pour savoir avec quoi il se shoot par ici. C'était elle. J'en suis sûre. Je sais que c'était elle. C'était Lizzie. C'était Lizzie. Je l'ai vue dans ses yeux. Je sais pas comment elle a fait pour... Arrêtez! Elle m'a dit des trucs. C'était elle. C'était si étrange. Comme si... j'étais engourdie dans l'ambulance, en te regardant. Je résistais au sommeil, mais j'étais si fatiguée. Et quand je me suis réveillée, tu étais encore là. Tu es la première chose que j'ai vue. Excusez-moi, monsieur Galland, vous devez venir signer des papiers à l'accueil. Je reviens tout de suite. On doit l'interner, on n'a pas le choix. Je vous l'ai déjà dit, ce n'était pas une tentative de suicide. J'ai vu ce qui s'est passé, c'était un accident. C'était un accident. Si vous mentez, vous mettez gravement en danger sa vie, vous vous en rendez compte? Vous lui avez parlé. Elle vous a semblé suicidaire. C'est un accident insolite. Et rien d'autre, entendu? Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
gathering on peaceful protesters, as you can see. Here we are living in an oppressive state. We are being killed. Our brothers are killed. Our sisters are killed every day. And we are not given a single opinion of simple protest. Non! Recule! Klaus, dégage! Allez! Oh! Klaus, bouge! Bon chien. Martino, salut. Qu'est-ce qui t'amène par ici, toi? Tu vas trouver ça bizarre, mais... Je suis en train de vivre une expérience paranormale. Va voir un curé, mec. Non, attends, s'il te plaît, écoute. J'ai besoin d'aide. Je t'en prie. T'as été viré? Quoi? Non. T'as été viré? Non! D'accord, tourne-toi, les mains contre le mur. Tu déconnes ou quoi? Fais ce que je te dis. Bordel de merde. C'est une plaisanterie? Non! Vous me jouez un tour, là. Vous voulez vous payer ma gueule? Non, je te le promets. C'est bon. T'as rien sur toi. T'as un tatien. J'en ai 7 en tout. C'est un chiffre important. Tu sais, métaphysiquement en parlant. Dans l'Égypte antique, on pensait que les chiens développaient instinctivement des qualités divines. En fait, les chiens, de tous les animaux, sont ceux qui parviennent le plus facilement à repousser les manifestations du mal, les esprits malins. Ah ouais? Avec eux, je suis tranquille. Alors, à la centrale, ils continuent à penser que je suis Barjo. Ouais. Je me demande pourquoi. Tu devrais lire ce manuscrit. Il coûte $25, mais ça couvre juste les frais de photocopie. J'aimerais le publier, mais la seule boîte qui accepterait de le faire ne publie que des trucs sur les ovnis, le Yeti, ou des conneries de ce genre. Donc la vie après la mort... Hmm? C'est... Tu sais... effrayant. Oh, ça dépend. Disons qu'en fait, en règle générale, si t'as pas fait de mal dans la vie... Ce qui t'arrivera une fois mort devrait ressembler à un superbe week-end à Santa Barbara. D'accord. Par contre, si t'es un enfoiré, alors ça devrait ressembler à un jeudi pluvieux dans le New Jersey. T'es obligé d'y aller? Je veux dire, imaginons que je sois une personne très méchante. Et que je sais ce qui m'attend là-bas. Je peux pas... Rester ici? Ouais. Si, bien sûr. Certains restent. Les esprits frappeurs. Ils passent leur temps à déplacer des objets ou à faire des trucs du genre. Tu peux revenir pour de vrai? Par exemple, prendre le corps d'une autre personne. Tu parles de possession permanente? C'est ça. Allons parler ailleurs, tu veux? Pourquoi? Parce qu'il y a des micros dans cette pièce. La possession est presque tout le temps réalisée par des esprits très très anciens. Des esprits qui n'ont jamais été dignes de mériter personnellement une essence humaine. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas un de ces esprits anciens, je veux dire quelqu'un qui était en vie, peut prendre le corps de quelqu'un d'autre? Non, je dirais que non. L'esprit possesseur n'aurait pas assez de force ou de savoir-faire pour dominer son hôte. Tout du moins, pas au-delà de quelques secondes. Donc, si cet hôte meurt, son esprit devrait quitter le corps? Ouais. Et si on réussit néanmoins à réanimer le corps? Continue. Alors un esprit différent, un autre esprit... entrerait dans le corps vacant. Est-ce que c'est possible? Il faudrait que l'esprit soit très doué. Là, on parle d'un esprit vraiment, vraiment talentueux, mec. Donc si un corps se libérait, un esprit bienveillant n'y entrerait pas? Non. Il resterait à Santa Barbara? C'est exact, oui. Alors si un corps se libère, et qu'ensuite un esprit s'y invite? Alors ça voudrait dire que t'as un sérieux problème sur les bras. Non, 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 non.
gens qui étaient dans des situations infernales comme elle, la voyant, se sont approchés d'elle et se sont mis à danser aussi. Et donc cette danse est devenue contagieuse. Et le gros problème, c'est que les gens qui se mettaient à danser ne pouvaient plus s'arrêter. Danser nuit et jour pendant des semaines. Les médecins qui déboulaient se disaient: mais comment c'est possible? Même les plus chétifs n'arrêtent pas de danser. Yeah.
Куда щелкнуло по телу? Охренеть. Стекла повыносило, ну, у жильцов. Везде вон рамы валяются, ну. Эй, уйди оттуда, что ты там бегаешь? Охуеть. Извините, без матов не получилось. Охренеть. Вообще жесть, ну. Вот это мощь.